observer ces bateaux. Hein? Mais les bateaux ne flottent pas. Oh. Salut, moi c'est Alex. Salut Flash, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais regarder les bateaux passer, mais ils ne flottent pas. Pourquoi? Pour que les bateaux puissent nager, il nous faut de l'eau. Et où est-ce qu'on pourra la trouver? On va remplir ce seau avec de l'eau. Suis-moi, Flash. Bienvenue dans la salle de bain. Oh, je vois où est-ce qu'on va prendre l'eau. On va prendre ce pommeau de douche. On allume. C'est bon. Ah, il est bien rempli maintenant. On peut maintenant remplir notre réservoir. Allez. Vas-y Flash, on va commencer à verser l'eau. Ouais, vas-y. Regarde, nos bateaux sont en train de flotter. Waouh, ils flottent enfin, trop bien. On va ouvrir cette écluse pour qu'ils puissent tourner en rond. Et celle-ci. Et nous levons ce pont. Grâce à ce mécanisme, on va pouvoir créer un courant et faire partir les bateaux. C'est trop bien, ils vont trop vite. C'est trop marrant de jouer avec ce mécanisme. Oh, j'ai envie de voir de l'autre côté. Hein? Un train? Il doit sûrement flotter comme les bateaux. Mais non, Flash, un train, ça roule sur un chemin de fer. Un chemin de fer? Mais qu'est-ce que c'est? Les chemins de fer sont construits sur la Terre et permettent aux trains de parcourir des centaines de milliers de kilomètres. Oh, ça a l'air trop bien. Viens Flash, je vais te montrer. Nous voilà arrivés. Alors, c'est ça un chemin de fer? Oui, mais il est tout cassé. On va devoir le refaire. Regarde comme il s'emboîte. Ah, je vois maintenant. Et voilà! On peut maintenant placer le train et les wagons. Et pourquoi le train a besoin de wagons? Le train a besoin de ses wagons pour transporter des marchandises ou des passagers. Et voilà! Notre train est prêt à partir. J'ai hâte! C'est parti! Waouh, il va trop vite. On a réussi. Yes. Flash, et comment font les voitures pour rouler? Les voitures roulent sur les routes, Alex. Viens, je vais te montrer. Suis-moi. Voilà à quoi ressemble une route. Ah, je vois maintenant. Et qu'est-ce que c'est que ces traits blancs partout? Et ces panneaux, ils veulent dire quoi? Ce sont des lignes qui définissent les voies pour les voitures, pour qu'on ne puisse pas rouler n'importe comment. Ça, Alex, c'est un panneau stop. Ça veut dire que tu dois t'arrêter. Et ça, c'est un panneau qui indique un rond-point. Les ronds-points servent à tourner en rond et à choisir sa direction. D'accord. Et cette voiture, elle ne roule pas parce qu'il y a un panneau stop? Non, c'est pas à cause du panneau. Il s'agit d'autre chose. Mais pourquoi elle ne roule pas alors?
Je crois que c'est une panne d'essence. Je crois avoir ce qu'il faut. Une station essence. On va remplir son réservoir. Et c'est bon. Ça, c'est une voiture en pleine forme. T'as trop raison. T'as vu comment elle était trop rapide après l'essence? Ah oui, j'en ai aussi envie maintenant. Aujourd'hui, on a appris que les bateaux flottent sur l'eau, que les trains empruntent les chemins de fer et que les voitures roulent sur la route. Alors mets un j'aime, abonne-toi à la chaîne, à la prochaine !